Vous n'en croirez pas vos yeux lorsque vous verrez ces 15 artefacts terrifiants récupérés du Titanic. Les regarder vous donnera des frissons dans le dos et vous fera repenser à cette croisière que vous prévoyez de faire. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons l'une des plus grandes tragédies de tous les temps. Une lettre d'amour. En plus d'être l'une des tragédies les plus célèbres connues de l'homme, le Titanic possède l'une des plus grandes histoires d'amour qui lui est associée, grâce au film. Même s'il n'y a pas de preuves concrètes de l'existence de Jack, car il a gagné le billet en tant que prix et qu'il n'y a aucun enregistrement de son embarquement sur le navire, son histoire d'amour avec Rose reste tragique. Et même si nous ne pouvons pas nous plonger dans la réalité de cette histoire, vous serez peut-être intéressé de savoir que l'amour était à bord du Titanic. Une lettre d'amour a été retrouvée parmi les anciens artefacts récupérés près de Seventillan après l'accident. Un employé de cabine du Titanic du nom de Richard Geddes a écrit cette lettre à sa femme. La lettre était écrite sur le papier à en-tête originale du Titanic et était même accompagnée de son enveloppe d'origine de la ligne Star. En plus des déclarations d'amour, la lettre contenait également des informations que seuls les passagers du navire pouvaient connaître. Dans cette lettre, Richard raconte à sa femme une collision évitée de justesse entre le Titanic et le S City of New York. Le 10 avril, quelques jours seulement avant la collision avec l'iceberg, le paquebot de luxe a échappé de peu à la mort et à la destruction. L'incident a été causé par la traction des hélices du navire qui ont déchiré les cordages du paquebot en fer, c'est eux qui a failli provoquer une collision. La catastrophe a été évitée grâce à l'intervention du capitaine Smith, qui a utilisé un remorqueur pour éloigner son bateau. En conclusion de cette lettre, Richard mentionne à sa femme comment les personnes à bord ont vu cette quasi-collision comme un mauvais présage. Une montre de poche. Une antique montre de poche rouillée a été récupérée sur un passager décédé du Titanic. La montre appartenait à Sanaï Kantor, un immigré juif russe qui se trouvait à bord du Titanic ce jour fatidique. L'artefact a été initialement récupéré sur son corps après qu'il a été sorti des eaux glaciales lors d'une opération de récupération suivant le naufrage du navire le 15 avril. La montre a une histoire digne de Jack et Rose. Sanaï, âgé alors de 34 ans, voyageait sur le Titanic avec sa femme Myriam. Le couple était originaire de Russie et avait embarqué sur le navire avec des billets de deuxième classe. Ils espéraient commencer une nouvelle vie ensemble en Amérique, dans le but d'étudier la médecine et la dentisterie une fois installés à New York. Sanaï était un fourreur et prévoyait de vendre des coffres remplis de fourrure pour réaliser leur rêve à l'américaine grandiose. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement pour eux. Le couple marié n'aurait jamais eu l'occasion de commencer leur nouvelle vie ensemble. Dans le cadre du protocole « Femmes et enfants d'abord », Myriam parvint à monter en sécurité à bord d'un canot de sauvetage, mais Sanaï refusa de monter à bord du canot et, comme des milliers d'autres, fut contraint de se jeter dans les eaux glaciales une fois le navire coulé. Son corps fut plus tard repêché de l'eau glaciale. Ceci est l'une des nombreuses histoires du bateau qui nous rappellent les vies impliquées et les pertes dans la tragédie. Après plusieurs jours dans l'eau froide de la mer, la montre de fabrication suisse n'était pas en parfait état. Les aiguilles étaient complètement usées, le cadran était taché, le mécanisme était rouillé et le revêtement en argent était presque complètement érodé. Malgré son état, la montre s'est vendue aux enchères pour 57 500 $, car elle a contribué à maintenir l'histoire du Titanic captivante pendant plus d'un siècle. Le violon. Si vous avez regardé Titanic de James Cameron, vous vous souviendrez sûrement du groupe qui jouait lorsque le navire a sombré. Mais saviez-vous que cela s'est réellement produit? Oui, c'est une histoire vraie. Et l'une des nombreuses choses qui ont été récupérées de l'épave du navire est le violon qui a été joué pendant qu'il sombrait dans l'eau. Après que le navire ait heurté l'iceberg, un groupe de 8 musiciens a été chargé de jouer de la musique pendant l'embarquement des canots de sauvetage pour calmer les passagers frigorifiés et effrayés. De nombreux témoins rapporteraient plus tard que les musiciens ont continué à jouer jusqu'à leur dernier souffle et aucun d'entre eux n'a survécu à la tragédie. Le sac contenant le violon a été retrouvé plusieurs années après le naufrage. Après enquête, il a été établi que le violon appartenait à Wallace Hartley. Les membres du groupe ne faisaient pas partie de l'équipage du navire et avaient tout à fait le droit de partir et de sauver leur propre vie,
Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ces musiciens ont consacré leurs dernières heures à apaiser les esprits et les cœurs de milliers de passagers condamnés à mourir sur le navire. Le chaos qui régnait sur le navire était tragique, et le groupe jouait le chant « Plus près de toi, mon Dieu », alors que le navire sombrait dans les profondeurs de l'océan. Le violon de Wallace a été récupéré et restitué à son ancienne fiancée, Maria. Le violon a ensuite été acheté par un collectionneur britannique pour la somme incroyable de 1 700 000 de livres sterling et reste à ce jour l'un des souvenirs du Titanic les plus chers jamais vendus. Les émotions qu'elle a dû ressentir après avoir entendu cette histoire doivent être accablantes à imaginer. Le courage et la résilience de Wallace et de son groupe resteront à jamais gravés dans le cœur des survivants, ainsi que dans celui du reste du monde. Le grand morceau. Surnommé le grand morceau, une grande section de la coque du Titanic a été récupérée des profondeurs de l'océan. Mais pourquoi un morceau massif d'un navire naufragé est-il si important? Le grand morceau pèse un énorme 15 tonnes et mesure 13 par 30 pieds. Il a été repéré pour la première fois en 1994, et après une opération de récupération échouée en 1996, où un câble tenant le morceau s'est rompu, il a été finalement récupéré avec succès en 1998. Ce morceau de la coque est certainement le plus grand artefact du Titanic jamais récupéré. Après une inspection approfondie, il a été découvert que le morceau provenait du côté tribord du navire, ce qui ne fait que prouver que le paquebot est finalement devenu la victime des forces élémentaires de la nature. Les hublots contiennent toujours leur verre, et le grand morceau reste exposé jusqu'à ce jour. Les personnes qui ont visité les expositions ont été impressionnées par sa présence. Beaucoup ont été émus aux larmes, et certains prétendent même avoir ressenti des frissons en le touchant. De nombreuses personnes ressentent une connexion plus forte avec le Titanic lorsqu'elles regardent ce morceau énorme de la coque. En le faisant, l'histoire devient plus qu'un simple mythe. On peut observer son impact sur de nombreux visiteurs des expositions, assis dans les salles d'observation. La cloche. Le 14 avril 1912, vers 23h40, le Titanic fend les vagues aussi majestueux que jamais. Le guetteur du navire repère une structure scintillante géante et l'homme dans le nid de corbeau découvre une flotte massive d'icebergs et sonne la cloche d'alarme 3 fois pour avertir le personnel et les passagers de leur destin imminent. Puis, plusieurs décennies plus tard, en 1987, la cloche emblématique serait récupérée et réside maintenant dans le musée du Titanic. Frederick Fleet et Reginald Lee, les guetteurs du navire, ont heureusement survécu à la tragédie et ont raconté leur perspective de la manière dont les événements se sont déroulés. Ce qui est en réalité choquant, c'est qu'ils ont révélé qu'ils auraient pu repérer l'iceberg plus tôt s'ils avaient eu une paire de jumelles pour les aider dans leur travail. Lorsqu'on leur a demandé combien de temps plus tôt, Frederick a répondu « suffisamment pour l'éviter ». Après le décès de sa femme, Frederick s'est suicidé le 10 janvier 1965. Il est difficile de comprendre à quel point l'incident a affecté la vie de tous ceux qui étaient à bord. Juste en pensant à ce que tout le monde à bord du bateau a ressenti après que la cloche ait été sonnée 3 fois, cela semble impossible à comprendre. Flacon de parfum. Lors d'une mission de récupération en l'an 2000, une pochette en cuir serait récupérée. L'expert en récupération, Dick Barton, a déclaré à ABC News qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il regardait avant d'avoir atteint la surface. Lorsqu'ils ont ouvert la pochette, quelque chose de très intéressant s'est produit. L'ouverture de la pochette a rempli le laboratoire de parfums édouardiens. Apparemment, la pochette contenait 62 petits flacons d'échantillons de parfum appartenant à un fabricant de parfums de 47 ans du nom d'Adolphe Saffield, un passager de première classe originaire de Manchester. Saffield a fui le navire, mais a laissé sa pochette en cuir derrière lui, qui a été découverte des années plus tard. Plusieurs autres pochettes portant tout son nom ont été retrouvées. Et devinez ce qu'elles contenaient. Toutes les pochettes contenaient des échantillons de parfums. Après la récupération des dommages du navire, les parfums de Saffield ont reçu une deuxième vie. Le parfum a été décomposé en SE composants chimiques afin de recréer son odeur, ce qui a donné un parfum appelé
Legacy 1912. Si vous vous demandez à quoi il sent, on dit qu'il dégage des notes délicates de citron et de néralis, de rose rosée et d'ambre chaud et doux. Le design de l'emballage s'est inspiré d'une porte remontée de l'épave. Un sac à main en alligator. L'un des luxes du Titanic était un sac à main en alligator qui appartenait à une modiste britannique du nom de Marion Meanwell. Meanwell, qui déménageait aux États-Unis pour vivre avec sa fille et ses petits-enfants, n'avait pas prévu de monter à bord du Titanic. Mais néanmoins, après que l'autre navire sur lequel elle devait embarquer ait été mis hors service, elle a acheté un billet de troisième classe. Parmi les objets dans son sac se trouvait son acte de mariage, un reçu pour un canari prouvant l'envoi à un parent retraité, ainsi qu'une lettre d'un ancien propriétaire attestant de ses paiements réguliers. Le fait que les documents se trouvaient dans son sac à main, qui a protégé leur contenu de la mer et leur a permis de survivre, et selon les conservateurs, l'épaisseur et la qualité de la peau d'alligator sont incomparables à ceux que l'on trouve aujourd'hui. À l'époque, l'idée générale était de créer des objets durables qui résisteraient à l'épreuve du temps, mais malheureusement, Meanwell a péri avec le Titanic. On ne peut s'empêcher de se demander à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait pu monter à bord de son navire d'origine et atteindre l'Amérique. Le menu du dernier repas du navire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui figurait au menu du plus grand navire de luxe au monde? Eh bien, vous allez le découvrir. 104 ans après le naufrage du Titanic, les gens du monde entier restent fascinés par ce navire, non seulement en raison de l'ampleur de la tragédie, mais aussi parce que l'histoire du Titanic est celle de la vaillance et de la noblesse d'un monde ancien. Cependant, c'est aussi une histoire de différence de classe d'un monde ancien. Pensez au menu des passagers de première, deuxième et troisième classe. La liste complète des options comprenait plusieurs plats décrits dans un menu retrouvé dans l'épave du Titanic. Les passagers de première classe avaient accès à une multitude de délices différents, et même si les menus de deuxième classe étaient légèrement moins raffinés, ils proposaient tout de même des plats délicieux. Cela incluait de la dinde rôtie avec sauce aux canneberges, de l'agneau de printemps avec sauce à la menthe et du flétan cuit au four avec une sauce relevée. Il y avait également du pudding aux pruneaux et de la gelée de vin. En revanche, le menu de troisième classe semblait plus proche d'une bouillie pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Qui est partant pour des pommes de terre cuites et de la soupe de riz? L'important à retenir est que le Titanic était réputé pour avoir le meilleur restaurant à bord, et cet exemple confirme cette affirmation. Pour un déjeuner, plus de 40 options de plats étaient réellement disponibles, et cela ne concerne qu'un repas de la journée. Et cela, uniquement pour la première classe, c'est fou d'y penser. Un chérubin en bronze. Un chérubin en bronze faisait partie de l'exposition des artefacts du Titanic qui était autrefois présenté à l'hôtel et casino Luxor de Las Vegas. Le chérubin faisait partie d'une lampe qui se trouvait près de l'escalier reliant le pont Sea Deck au pont Promenade Deck. Bien que l'on puisse en trouver à travers tout le Titanic, les statues de chérubins étaient principalement présentes le long du grand escalier à 5 niveaux. Cependant, il est difficile de déterminer exactement d'où provient celui-ci. Selon CNN, une opinion suggère qu'il provient du niveau supérieur du grand escalier de première classe, car il est plus petit que les chérubins présents sur les paliers principaux de l'escalier. La torche et le pied gauche de la statue, qui ont peut-être été perdus lorsqu'elle a été arrachée de son emplacement, sont manquants. Avec la sortie du film à succès de James Cameron, Titanic, ce chérubin est devenu célèbre. Il a servi de toile de fond romantique alors que Jack courtisait Rose sur le grand escalier. Certains confondent ce grand chérubin avec un plus petit qui a été retrouvé au fond de l'océan. Ce qui est terrifiant dans cette iconographie religieuse, c'est qu'elle est utilisée comme le centre littéral d'une telle tragédie. Les chérubins sont généralement considérés comme les porteurs du trône ou des créatures qui servent Dieu, et certaines personnes attribuent à cette figure religieuse une signification plus profonde. Avant que le Titanic ne prenne le large, on prétendait souvent que même Dieu ne pouvait pas faire couler le bateau. Cependant, certaines personnes religieuses ont vu dans ces affirmations un blasphème grave et ont cru que Dieu ne laisserait pas cela impuni. Beaucoup de gens étaient même convaincus que l'orgueil humain était autant responsable du naufrage du Titanic que la colère divine de Dieu.
Le fait que le chérubin ait survécu toutes ces années dans l'épave et qu'il ait finalement été retrouvé est-il un message religieux? Personne ne peut le dire avec certitude. La radio du Titanic, connue sous le nom de machine télégraphique sans fil Marconi, a joué un rôle fondamental dans l'envoi de signaux de détresse aux navires environnants lorsque la catastrophe s'est produite. Ce système de communication a contribué à sauver la vie d'environ 700 personnes qui ont pu monter à bord des canots de sauvetage et être secourues. Bien que la radio n'ait pas encore été récupérée, elle mérite néanmoins une mention d'honneur dans cette liste en raison de son contenu et de son importance, ainsi que des implications qui y sont liées. Les partisans de l'excavation affirment qu'il est extrêmement important de la récupérer avant qu'elle ne soit perdue à jamais. Les images sous-marines montrent que la machine est recouverte de rouille et pourrait bientôt devenir irrécupérable. Cependant, les corps de nombreuses personnes décédées sur le navire n'ont jamais été récupérés, et le débat porte sur la possibilité qu'il puisse encore y avoir des restes des victimes là-bas. Les avocats s'opposent à la récupération de la radio, car le plan de plongée ne prévoyait pas la possibilité de la présence de restes humains. De plus, pour récupérer la radio, il faudrait couper la section radio du navire, ce qui est vivement contesté par les partisans de la préservation. Il n'est pas certain que la radio soit jamais récupérée et ramenée à la surface dans un avenir proche, mais une chose est sûre, ce serait très troublant d'entendre les voix de ceux qui ont péri et de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé ce jour-là. Une chaussure pour homme est l'un des objets les plus rares exposés parmi les articles récupérés du Titanic en raison de son état déplorable. À première vue, elle peut sembler être une chaussure déchirée et usée, mais si vous regardez de plus près, vous découvrirez bien plus à son sujet. Cette chaussure en cuir pour homme, très mal conservée, ne comprend que la semelle, la partie supérieure et une partie du quartier avec la semelle intérieure. En regardant cette chaussure pour homme, cela nous rappelle les personnes réelles qui ont été impliquées dans une telle catastrophe colossale. Il est facile de négliger l'impact que l'événement a eu sur chaque personne à bord de ce gigantesque paquebot et de se perdre dans les chiffres, les statistiques et la magnitude de tout cela. Mais il est tout aussi terrifiant de penser à ce que les milliers de personnes ont ressenti dans ces longs et douloureux moments qui ont précédé leur mort et la destruction de l'une des plus grandes structures du monde. Cela nous rappelle les innombrables personnes qui espéraient commencer une nouvelle vie en Amérique, mais qui n'ont jamais atteint les rivages du monde libre pour entamer leur nouveau chemin. L'état fragile du navire ne fait qu'ajouter à la sensation de l'impitoyable nature de l'océan et des vagues gigantesques auxquelles le gigantesque navire a succombé. Partition de musique. La musique des moutons jouée par le groupe a miraculeusement été récupérée dans l'Atlantique Nord. Deux morceaux de musique, On Mobile Bay, datant d'environ 1910, et Put Your Arms Around Me, Honey, de la comédie musicale de Broadway Madame Chérie, ont été retrouvés parmi les débris. Le deuxième objet appartient à Howard Irwin, qui faisait partie d'un groupe d'amis faisant le tour du monde, et le voyage inaugural du Titanic devait être la dernière étape de leur périple. Cependant, Irwin n'a pas pu monter à bord. Il aurait peut-être été volé juste avant le départ du Titanic, mais son ami et ses biens ont réussi à monter à bord du navire. Malheureusement, Henry Sudahall Jr., le compagnon d'Irwin, a péri dans le naufrage. Connaître le type de musique jouée à bord du navire nous rapproche un peu plus de l'imaginaire de CE que cela aurait pu être à bord du Titanic. Même si les descriptions luxueuses semblent incroyables, ce qui s'ensuit est l'une des plus grandes tragédies que le monde ait jamais connues à ce jour. Découvrir de plus en plus de détails sur ce voyage ne fait qu'accentuer la réalité et l'ampleur de cette tragédie, bien plus grande que ce que l'on aurait pu imaginer. Le télégraphe. Contrairement à la machine radio qui n'a pas encore été récupérée, le télégraphe moteur était parmi les équipements du navire qui ont été ramenés à terre. Cet artefact a été retrouvé en 1987 et la machine était utilisée pour transmettre des commandes à la salle des machines. Elle servait à communiquer avec tout l'équipage à bord et les reliait à la salle des machines. Ce télégraphe était probablement le dispositif utilisé pour la communication entre les membres de l'équipage lorsque l'iceberg a été repéré et que le chaos a commencé.
On pense qu'il a joué un rôle central dans la collision avec l'iceberg. Cependant, bien qu'il ne soit pas encore clair quels étaient exactement les ordres donnés depuis le pont vers la salle des machines et vice-versa, une chose sur laquelle tout le monde s'accorde est que le Titanic a ralenti après la collision. Cela signifie que les ordres transmis ont mis trop de temps à être reçus. Le navire a heurté l'iceberg 37 secondes après l'avoir repéré, et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Un chapeau. Un autre objet de la collection des effets personnels récupérés de l'épave est un chapeau melon. Ce chapeau melon a été retrouvé en 1993 et est étonnamment en assez bon état compte tenu du fait qu'il a été découvert entouré d'épaves au fond de l'océan. On sait peu de choses sur le propriétaire du chapeau, mais comme les chapeaux étaient une parure assez populaire à l'époque, n'importe lequel des centaines d'hommes à bord aurait pu le porter. Il n'est pas clair à qui appartenait le chapeau, mais la tragédie de toutes les personnes à bord du navire cette nuit-là reste la même. Les clés. Des vies nombreuses ont été sauvées grâce à cet ensemble unique de clés. Samuel Hemming, un membre de l'équipage, les a utilisées pour récupérer les lanternes des canots de sauvetage, qui avaient été utilisées pour aider les personnes à quitter le navire avec une source de lumière. Les lanternes étaient conservées dans une pièce située sous le pont, donc Hemming a dû prendre un risque mortel pour les récupérer. Hemming a été sauvé du naufrage et a vécu le reste de sa vie en possession des trois clés. Avant d'être achetées par un collectionneur privé, elles ont été transmises de génération en génération. Et ce ne sont pas seulement ces clés qui ont été mises aux enchères. En 2016, une clé de casier du Titanic a été vendue aux enchères pour 100 000 $. C'est incroyable de voir des parties des histoires que nous avons entendues toute notre vie et que nous avons vues dans le film, mais tout cela commence à devenir trop réel et trop proche de nous. De vraies personnes, plus de 1500 vies ont été perdues en une nuit. Des visiteurs insoupçonnés en mer ont subi la cruelle colère de la nature.